L'Ancien Testament nous rappelle que Moïse avait reçu de Dieu les 10 commandements. Mais selon les documents émanant d'une autre source, certains messages différents auraient été confiés au peuple à cette époque. En fait, cette seconde série de commandements comporterait un sens infiniment plus profond que la première et des prédictions capables de transformer le futur de l'espèce humaine. Pendant des siècles, les archéologues n'ont cessé de fouiller les sites historiques à la recherche de ces révélations perdues dans la nuit des temps. Et de nos jours, les recherches continuent encore. Le triangle de cristal. Moyen-Orient, dans les années 80. Excusez-moi, Juno. Ce n'est pas grave, Camille. Voilà, les fouilles sont ici, là. Impressionnant que les menhirs de Bretagne ou les ruines de Jaumont au Japon. Le site a l'air authentique. C'est là qu'ils auraient découvert la chose. Le cube de cristal? Je me demande où sont passés les autres. On ne voit pas un chat ici. C'est bizarre. Ça sent la poudre et le sang. Oh, Juno! Oh! Ne bougez pas, c'est dangereux. Ah! Qui ça peut bien être? Les guerrières communistes. J'ai reconnu le nouveau AK-74. Ah, je me demandais ce que vous cachiez. Oui, ça fait partie de ma garde-robe. Je peux vous l'emprunter? Allez-y. Ils ont l'air monstrueux. Ce sera difficile d'en venir à bout. Vous voyez les caisses là-bas? C'est de la dynamite. Je vais essayer de la faire sauter. J'espère que les anges seront avec vous. Et
J'aurai droit au livre des records. C'est une partie de domino impressionnante. Oh, Carmine, vous avez été formidable. Juno, les anges pourraient envier votre sourire. Ceux-là n'ont pas l'air d'être de mon avis. Malheureusement, j'en ai l'impression. Hein? Hein? Oh. Oh, cette pierre a vraiment l'air d'être extraordinaire. Et Camine, ce n'est pas de l'hébreu? Une écriture mythologique. En roulant. Sauf s'ils ont des roquettes à cette chercheuse. Des roquettes ? On a eu de la chance. C'est l'intervention des forces gouvernementales. Des forces gouvernementales ? Parce qu'on est surveillé ? Mais oui, bien sûr. Les fouilles sont situées sur le territoire revendiqué par les guérilleros communistes. Non, je n'aime pas ça. On file à l'aéroport? Avec de la chance, on aura le vol de midi. Ce pays-là ne me plaît pas du tout. Mais... vous savez, les avions décollent rarement à l'heure dans cette région quand ils décollent. Il faudrait des contractions, mais on aura toujours. Professeur Juno, on vient pourtant de passer à côté du carnage. L'odeur du sang excite les foules. Je n'échappe pas à la règle. Hein? Oh. Souvenez-vous, tu ne commettras point l'adultère. Les pilotes sont plus consciencieux que je ne le pensais. Moins que vous, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas rater l'avion, non? On a fini tout de même par réussir. Nos noms vont figurer dans les livres d'histoire, au même titre que celui du docteur Schilliman qui avait découvert trois. L'éminent professeur Camine et l'éminent professeur Juno. Si vous connaissiez la vraie valeur de ce que vous avez dans votre poche, vous ne dormiriez sûrement pas aussi paisiblement. Pas un geste, nous sommes des pirates de l'air. Allez vite! C'est exactement ce qu'on vous dit! Vous vous êtes mort! Vous avez bien compris! Réveillez-vous, gamine, c'est une attaque! Oh, encore ce guerrier au sol!
Tokyo, Japon. J'avais supplié le professeur de ne pas y aller. Tout le monde sait qu'il faut éviter le Moyen-Orient en ce moment. Oui, mais dès que sa curiosité intellectuelle est attirée quelque part, il y va, quoi qu'il arrive. Même au péril de sa vie. Au fond, c'est une belle mort pour notre professeur vénéré. Pas si vite, il n'est pas sûr qu'il figure parmi les victimes. Moi aussi, je voudrais bien le croire. Mais quand je lis les journaux qui parlent de l'accident, il ne peut pas y avoir de survivants. Quand je pense qu'il a toujours cru que je ne l'aimais pas. Qu'est-ce que j'entends? Oh, merci, merci Krishna, merci Vishnu, nous a rendu notre professeur bien-aimé. Vous n'avez pas l'air de savoir que j'ai fait un voyage épuisant. Mais vous m'aviez bien préparé le travail. Oh, alors, vous êtes content, professeur? En quelque sorte. Mais qu'est-ce que tu disais, au fait? Et pourquoi vous n'avez pas donné de nouvelles? On se faisait un sang d'encre. Ça me fait tout drôle d'être encore vivant. Oh, professeur, professeur, vous êtes malade. Mina, le mieux, c'est de le coucher. Mina, j'ai terriblement sommeil. Tu me prépareras une bonne omelette à mon réveil. Sud asiatique. Drôle d'écriture. Ça fait à peine 3 semaines que la faculté de New York m'a contacté pour participer à des recherches. Et cette femme, qui se déclarait professeure, m'a emmené dans le désert sur les anciens sites bibliques. Alors comment j'ai pu me retrouver au Japon? Quelqu'un vient d'entrer, et ce n'est pas Isao ni Mina. Oh! Professeur, nous avons été très heureux d'apprendre que vous étiez sain et sauf. C'est pourquoi je viens vous saluer de la part de mon père. Oh! Habituellement, je n'oublie pas les jolies femmes, mais là... Bien sûr, vous ne me reconnaissiez pas. J'étais encore toute petite lorsque vous assistiez aux conférences de mon père à l'université. Vous êtes la fille du professeur Koto. C'est cela même. Et je m'appelle Milly. Ah, c'est très gentil à vous d'être venu me voir, vous savez. Il y a une autre raison à ma visite. Ah oui? Isao, tu veux porter ça à la cuisine? Quoi? Comment? Tout seul? Ne commence pas à discuter. Exécution. Je suis désolée, j'ai fait la queue au marché. Mais l'omelette sera prête tout de suite. J'étais jeune, moi aussi, à l'époque. Oh, moins jeune que moi, tout de même. C'est vrai. Tenez, goûtez ces loukoums. Oh, ils sont excellents. On les fait venir d'Afrique du Nord. Ah oui? Oh, professeur! Oh, Mina, je te présente Milly. C'est la fille du professeur Koto, mon ancien maître. Très heureuse de vous connaître. Le professeur Koto est celui qui, le premier, a fait naître en moi la passion de l'archéologie. C'est à lui que je dois d'avoir fondé cet institut. Oh, alors qu'il en soit vivement remercié, mademoiselle. Oh, mais surtout pas de mademoiselle entre nous. D'autant plus que nous allons travailler ensemble. Travailler ensemble? Oui, et je suis sûre que j'apprendrai beaucoup avec vous. Milly connaît parfaitement les bases essentielles de l'archéologie, grâce à son père. De sorte que toi, Mina et Isao, aussi pourriez améliorer vos connaissances.
c'est une chance pour nous d'avoir trouvé une assistante de cette valeur. Oh, non, non, en fait, je ne suis qu'une débutante. Pas tant que ça. Allez, viens. Elle a l'air fâchée. J'ai dit quelque chose qui lui a déplu. Oh, ne vous en faites pas pour elle. Elle a un caractère de cochon. Venez plutôt goûter cette omelette avec moi. Oh, oh oui, c'est vrai qu'elle est appétissante. Mm-hmm. Ah oui, très bien. Alors, c'est pour ce malheureux cube que vous avez risqué votre vie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je me le demande. Moi aussi, mais ça veut sûrement dire quelque chose. C'est deux pyramides à l'intérieur. Oui, pour l'instant, ça reste mystérieux, mais il faudrait pouvoir les analyser. La composition de ces pyramides me paraît être du cristal à haute résistance. Et vous dites que vous avez trouvé ça dans des vieilles ruines? C'est vraiment curieux. Professeur, pouvez-vous les isoler? Hein? Mais isoler quoi? Les triangles de cristal. Oui, sans doute, mais j'ai besoin du laser du grand laboratoire. Vous y avez accès, je suppose. Vous savez que quand j'emprunte leur laser, je suis obligé de les inviter à dîner. Je paierai les frais, si c'est ce qui vous chagrine. Heureusement. Mystérieux que Dieu a dû laisser aux hommes. Et j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ces signes quelque part. Oh. Oh. Ils sont identiques à ceux qui sont gravés sur la surface du cube. Des symboles mythologiques. Non, le chat se conduit bizarrement, tu trouves pas? On a autre chose à faire que de s'occuper du chat. Je me demande comment tu peux faire du thé quand on est au seuil de la découverte d'un mystère. C'est un rite ancien qui permet d'entrer en contact avec l'esprit de nos ancêtres. Oh! J'en étais sûr. Les deux triangles font partie du message. Un collier constitue un symbole mythologique. Un symbole mythologique? Oui, très différent des hiéroglyphes. On pense qu'ils sont relatifs à un message divin très antérieur à tous ceux connus jusqu'ici. Et dans le monde d'aujourd'hui, le professeur Camine est le seul capable de déchiffrer ces symboles. Je suis d'autant plus fière d'être son assistante. Alors, que dit ce message? Là, ça parle d'une montagne de feu et là, d'un arc-en-ciel. Et ici, il est question d'une prêtresse qui exerce son pouvoir sur le feu. Ben oui, mais ça résout pas le mystère. Même moi, je ne suis pas en mesure de l'élucider en une seule nuit. Ça ressemble plus à une incantation qu'à un message divin. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Je ne crois pas. Ce message désigne une personne et un endroit précis. Quoi? Si on se réfère aux prophéties de Nostradamus, l'arc-en-ciel représente l'archipel japonais et la montagne de feu n'est autre qu'un volcan. Et d'après la légende, une prêtresse a vécu près d'un volcan, situé sur le mont Azo, dans la plus grande île au sud de l'archipel. Et cette prêtresse s'appelait Himiko. Himiko?
Mais comment tu sais tout ça? Oh, c'est juste une idée. Les amateurs ont parfois des idées bizarres. Ça, tu peux le dire. Ce message a été découvert dans un désert du Moyen-Orient. Et je vois mal le rapport entre les anciens Hébreux et les anciens Japonais. Mina, retiens une place sur le ferry pour la voiture. Quelle destination? Mais le sud, voyons. Camine, notre homme se rapproche de plus en plus de son objectif. Akone, Japon. Kamine a résolu une partie de l'énigme et se dirige vers le sud. C'est ce que je pensais, le cristal était le seul fil conducteur. Mais nous ne pouvons pas laisser une tâche aussi monumentale entre les mains d'un seul homme. Le détenteur du message sera le maître du monde. Nous devons procéder avec les plus extrêmes précautions. Le premier ministre sera sensible à cette pensée profonde. Si vous voulez bien regarder, j'ai pris ces photos de ma voiture avec mon Minox. Très bien. Celui-là travaille à l'ambassade soviétique. C'est un agent du KGB. La femme est un agent répertorié de la CIA. Elle s'est fait passer auprès de Kamine pour une archéologue de l'université de New York. Et les Israéliens ne sont pas sur le coup, eux aussi? Je ne vois pas pourquoi votre département aurait besoin d'une aide extérieure. Je crois que le moine est de la tribu des Hing. Il faut nous aider. Sa compétence dépasse largement le déchiffrage des symboles mythologiques. Quand il était à l'université déjà tout seul, il n'était pas loin de découvrir l'énigme du secret des dieux. J'avais décidé de l'éliminer. Il me gênait. Néanmoins, il a réussi à survivre. Il a été secouru par des moines tibétains qui pratiquaient l'ésotérisme bouddhique. On dit qu'un seul étranger a été initié au principe secret de cet enseignement connu sous le nom de Upanishad. C'est exact et c'est bien Kamine. Je t'ai dit de ne jamais me déranger sur le dojo. Mais c'est le doyen qui vous demande au téléphone, s'il vous plaît. Il fallait le dire tout de suite, doyen. Allô, Georges, c'est moi. Oui, monsieur. Tu vas devoir risquer ta vie pour moi. C'est un plaisir, monsieur. Azo, Japon. Mon avis, c'est tout juste un vieux tas de cailloux, ça. Je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est, professeur? Un appareil de mesure de mon invention, un radar des forces surnaturelles. Il permet de détecter la présence d'ondes mentales laissées par les anciens. Mais c'est extraordinaire. C'est pourquoi vous passez pour un hérétique dans tous les milieux académiques. La science n'a pas à s'encombrer d'obstacles religieux. Le but visé est toujours la réalité. Mais on dirait qu'il capte des ondes. Alors là, ça m'étonnerait. Eh bien, tu vas être étonné. Oh, mais ça a l'air de marcher. Oui, en principe, ça devrait. Oh, oh. Une éruption. Oh non. Un guerrier digne de ce nom doit toujours être prêt de l'échafaud. Ah. Ah. Vous êtes-vous? Oh, on est là, professeur.
fait une sacrée chute. Pas de blessé? Alors ça va. Trop pressé et avançons lentement. Je ne suis pas très rassurée. Professeur, regardez, il y a un passage par ici. Telles qu'elles furent données par Jéhovah, annoncent la destruction finale. Mais la table porteuse du message de sauvegarde de l'humanité se trouve placée là. Alors ça y est, on a trouvé! Professeur, vous avez découvert le message? Qui est là? Ma décision de vous laisser les triangles de cristal s'est avérée excellente. Elle vous a permis de me conduire jusqu'ici. Comment avez-vous survécu à l'accident? Oh, le passé est sans intérêt, je ne m'occupe que de l'avenir. Et vous vous dites archéologue? J'avais menti. Mon seul but était de vous protéger des agents du KGB. Alors maintenant, sûrement, vous allez me dire que vous êtes de la CIA. Ma mission consiste à m'emparer du message au profit des États-Unis. Mais j'ai aussi l'intention de vous ramener en Amérique. Vous aviez étudié l'archéologie, vous éviteriez les erreurs des anciens chinois. Notre président s'intéresse à l'avenir de l'humanité plutôt qu'aux élixirs de longue vie. Nous ne fabriquons pas d'armes nucléaires. La réalité est trop cruelle pour que nous nous bornions à la contemplation des civilisations antiques. Professeur Grégory Efimovitch, de l'Université de Moscou. Encore une désillusion pour vous, professeur. Ça, c'est sa couverture. En fait, c'est un agent du KGB. Camille, j'ai toujours eu un point de retard sur vous, scientifiquement parlant, mais cette fois, je vais inverser les rôles. Alors, vous avez fomenté des révolutions communistes et mobilisé le Kremlin. Tout ça à cause de moi. J'ai l'intention de revendiquer cette découverte et d'inscrire mon nom dans notre histoire. Histoire d'un pays dont l'échec est permanent. Vous dites? Regardez ça. Je crains que le message des cristaux ne soit un leurre. Pourquoi il n'est plus là? Il n'a peut-être jamais été là, ou quelqu'un l'aura pris. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. D'abord, Uruga, l'agent du KGB. Et ce qui compte avant tout, c'est mon devoir. Je sauve Milly. Professeur! Mila, attention! Oh.
passé depuis que les tables de la loi où était gravé le message de Jéhovah ont été volées par une secte diabolique. Mais qui les a volées? C'est... Millie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon ancêtre vénéré Rasputin, je voudrais qu'il te soit donné d'assister à cette scène exceptionnelle, à un de ces glorieux moments où le mysticisme triomphe enfin du rationalisme. Que se passe-t-il? Oh, professeur! N'aie pas peur, je vais te sortir de là. Ah, on va courir aussi vite que possible. Allez. Qui ont violé le secret des dieux doivent mourir. Je vous condamne, vous et tous les agents des puissances étrangères. Après la CIA et le KGB, voilà des moines d'un autre âge. Ça devient cassant. Oh non! N'aie pas peur, on s'en sortira. Isao, file à la voiture et fais attention à Mina. Personne ne peut échapper aux pièges tendus par les moines de la bras. Me défier. Manquait plus que lui. Oh, dis pourquoi. Tu es un homme mort. Pas possible. J'ai perdu mon souffle. Ce glaive est fait pour détruire les monstres dans ton genre. Ils sont fous, ces moines. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Non, rien de grave. Sans doute un effet d'hypnose dû au cristaux. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, professeur? On repart les mains vides? Vu les circonstances, j'ai l'intention de tout abandonner. Quoi? L'archéologie, c'est bien joli, mais à condition de rester en vie. En plus, on n'y fait pas fortune. Alors, quel est le programme? On va se cacher quelque part en attendant, et on laisse venir. Et si ça devient vraiment trop dangereux, on prévient la police.
manger. Faut pas se laisser aller, les enfants. Après tout, on peut fermer l'institut et on pourrait ouvrir une cafétéria, par exemple. Professeur, vous croyez vraiment que c'est le moment de plaisanter? Je commence à me faire vieux et nous vivons dans un monde cruel. Il est temps de penser aux réalités concrètes plutôt que de s'abandonner au charme d'un passé révolu. Ça ne vous ressemble vraiment pas de dire ça. C'est à nous de prouver au monde l'importance de l'archéologie. Regarde les choses en face. Professeur... Le jeu ne m'amuse plus. C'est la guerre du pouvoir pour les protagonistes. Armes nucléaires ou messages de Dieu, c'est la même chose. Dans notre nouvel établissement, je me vois très bien en barman et Mina en serveuse. Après une courte formation, Isao aura sa place au fourneau et on appellerait le tout au bistrot d'Imiko. Quant à Millie, elle rentrerait chez elle, c'est pas vrai? Elle n'aurait aucune difficulté à se marier. Elle épouserait un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent. Et puis elle aurait des enfants et tout est bien qui finit bien. Je ne m'attendais pas à une telle vulgarité de votre part. Le respect se perd. Ça ne m'intéresse pas de mener une vie qui ne soit pas conforme à mes ambitions. Je suis aussi de cet avis et je suis sûre qu'au fond de vous-même, professeur, votre but est de poursuivre vos recherches. Seulement, vous vous faites du souci pour nous. Mais nous sommes tous d'accord pour continuer avec vous. Ce serait idiot de mourir pour une chose qui ne relève peut-être que de l'imagination des morts. Nous savons tous très bien ce qui nous attend et quel genre d'ennemi nous guette, professeur. Et nous ne pouvons pas faire appel aux forces de police. Mais il nous faudra bien mourir un jour ou l'autre. Et ce jour-là, je veux être avec vous. C'est exactement ce que je pense, moi aussi. Et moi, c'est pareil. J'ai toujours su que vous étiez tous un peu débiles. Cela dit, il convient de mettre tous les atouts de notre côté. Le plus simple, c'est d'informer les médias afin qu'on parle de nous, ce qui donnera au KGB et à la CIA les coudées un peu moins franches. On est avec vous, professeur. Et demain, on ira au temple de Mitsurin à Kyoto. Pourquoi au temple? C'est bien au temple de Mitsurin que Kukai pratique son enseignement sur l'ésotérisme bouddhique. On va essayer de les surprendre dans leur quartier général. Ah, c'était bien la tribu des Ying. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce clan? Oh, pas grand-chose. Seulement qu'ils agissent dans l'ombre et qu'ils ont des pouvoirs occultes. Ils ont des contacts avec les grands de ce monde. On pense que celui qui détiendra le message sera le maître du 20e siècle. La question est de savoir avec qui les Ying veulent traiter. Avec quelle superpuissance? Les États-Unis ou la Russie soviétique? Kyoto, Japon. Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? Ce serait bizarre qu'il y ait un temple là-haut. Ça fait 1000 ans que Kukai a cet empire des théories bouddhiques qui étaient enseignées en Chine. Aujourd'hui, elles sont pratiquées ici, dans un temple et dans le plus grand secret. Je vous fais toutes mes excuses. Je me demande ce que vient faire un mafioso dans la brousse. Qu'est-ce que c'est, un mafioso? Tu le verras bien assez tôt. Je suis venu vous parler. Je m'appelle Georges. Vous pardonnerez mon arrivée un peu intempestive, mais je suis ici sur ordre et pour assurer votre protection. Merci, mais je suis capable de l'assurer moi-même. Peut-être pas quand vous saurez que le tremblement de terre sur la montagne est l'œuvre des moines. Des moines? Maintenant, vous voyez de quoi je parle. Alors servez-vous. Professeur, servez-vous, je vous en prie. Vous avez le choix. Si les moines sont tels que je les imagine, tout cela n'aura pas grande utilité.
Je me contenterai seulement de ces petites choses. Révérend Kukai, il se dirige par ici et celui qui a tué nos hommes est avec eux aussi. Je sais, il semblerait qu'Himiko ait été emportée et que mon nom leur soit connu. Quels sont vos ordres maintenant? Pour la survivance de notre tribu et l'avenir de cette planète, aucun d'eux ne doit s'échapper. Qui êtes-vous et que voulez-vous donc? Navré de vous déranger, mais nous aimerions visiter le temple. Oh, je suis désolé, mais les visites sont interdites au public. Ce temple est un lieu sacré où l'on enseigne l'ésotérisme bouddhique. Oui, je comprends, mais nous ne souhaitons voir qu'une seule chose. Le livre de la Sainte Loi. Le livre de la Sainte Loi. Vous avez dû vous tromper de temple, jeune gens. Non, je ne crois pas. Je sais de quoi je parle. Protégez-vous. Permettez-moi d'insister. Partez! Des ondes mauvaises. Il faut tous se tenir les coudes. Qui es-tu, spectre immonde? Vous autres misérables humains, ne voyez les choses qu'avec vos yeux d'aveugle. L'idée ne vous est jamais venue qu'elle pourrait prendre une dimension différente sous l'effet d'un autre système solaire. Un autre système solaire? Tous les 26 millions d'années, cette planète tombe sous l'influence de Némésis, l'étoile diabolique. Sous son soleil, vous deviendrez des monstres et nous serons les maîtres du monde. Némésis! Ne l'écoutez pas, il cherche à vous hypnotiser! Nos autres membres de Hint, nous sommes restés dans l'ombre pendant 26 millions de jours et autant de nuits! Et maintenant, nous attendons votre heure pour surgir des ténèbres et laisser aux humains la place qu'ils méritent. Oh là là, j'aime pas trop ça, moi! Et rappelez-vous, ne nous éloignons pas les uns des autres. L'union fait la force. Assurer la continuité de la tradition des Ying. Grâce au soleil de Némésis, ils vont prospérer éternellement sur cette planète. Mon fils. Mon maître. Mon fils. Mais vous êtes... Tu es arrivé jusqu'ici guidé par la puissance suprême pour qu'il te soit fait don de nos principes secrets, l'Upanishad.
Je ne comprends pas, maître. Peu importe, tout est dans ton karma. Regarde bien. De David. J'ignorais que tu connaissais les principes secrets de l'Upanishad. Bien joué, mais tu n'as en face de toi que quelques membres de la tribu, et la bataille ne fait que commencer. Oh, grande prêtresse d'Eng, éveille-toi de ton sommeil profond. Rejoins le clan. Viens avec nous célébrer la suprématie des forces du mal et détruire les vertus désormais inutiles du royaume des dieux. Oh, grande prêtresse, rejoins-nous. Rejoins ton père. Il en a mis du temps à mourir. Vous étiez très impressionnant. J'ai étudié la plupart des arts martiaux, mais jusqu'ici, je n'avais encore jamais vu ça. On dirait qu'il en reste encore un! Némésis. L'étoile du diable située sur le point septentrional, une croix dans le ciel, que le message soit transmis. J'ai de plus en plus de mal à comprendre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une croix dans le ciel, ça pourrait être... La croix du sud! Ben oui, d'accord, mais alors, pourquoi au nord? Il y a 4000 ans, on pouvait voir depuis Hokkaido, donc au nord. Oh, alors c'est des choses. Il y a un cercle de pierre dans cette zone où les indigènes pensent qu'une étoile s'est posée. Ça fait des milliers d'années. Alors, professeur? J'ai été surpris d'entendre le nom de Némésis dans la bouche de cette créature. Et encore plus de savoir qu'il se rattache à la mythologie. Pourquoi? C'est un nom important? Oui, je viens d'en avoir confirmation par un de mes collègues de l'université. On pense que la vie sur Terre répète un cycle d'extinction tous les 26 millions d'années. Et d'après la plus récente théorie, un système solaire inconnu pénètre dans notre galaxie tous les 26 millions d'années, risquant de détruire toute vie humaine sur la Terre. Et on a donné à ce système solaire le nom de
Némésis. Ouais, une théorie pas très optimiste. Ce qui est curieux, c'est que certaines prophéties divines et les conclusions du XXe siècle se rejoignent. Et ce que nous cherchons cache peut-être un secret encore plus formidable que nous le pensions. C'est sans doute pourquoi les grandes puissances souhaitent le découvrir. Ouais, y compris le Japon, naturellement. Tsugaru Kaikyo, Japon. Oui, professeur. Vous savez, j'ai le pressentiment que notre voyage ensemble touche à sa fin. Et quand tout sera fini, je vais me retrouver seule. Je croyais que tu appréciais la solitude. Oui, sans doute, mais c'était avant. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez appris qu'on n'était pas fait pour vivre seul. Ce n'est pas moi qui t'ai appris ça. Mais pourtant... Tu as mûri, c'est tout. Et tu n'es plus une enfant, maintenant. Oh. Professeur, ne me quittez pas. Écoute, je suis un homme qui ne s'intéresse qu'aux choses du passé. Et toi, tu es jeune, tu mérites beaucoup mieux que moi. Vous êtes le seul qui puisse me sauver, le seul qui puisse me rendre heureuse. Je vous en prie, gardez-moi. Ne me laissez pas retourner à ma solitude. Mon tout petit. Dis donc, t'as pas vu Milly et le professeur, là-haut? Et alors? Oh là, toujours aussi aimable. Isao, je voulais te dire... Je te remercie de m'avoir sauvé sur le volcan. C'est Camine. Attention, j'entends un sous-marin tout près de nous et il s'approche très près du ferry. Oui, c'est Grégory. Arrêtez-le. Il faut protéger le ferry à tout prix. Et prenez le ferry. Pas question de laisser Camine parler de sa découverte. À savoir comment je m'appelle. Cher professeur, profite bien de ta dernière soirée. Oh, la cible fait mouvement vers le nord. La Maison Blanche, États-Unis. Je donne le feu vert pour le plan Moïse, mobiliser la flotte pacifique. Septième flotte des États-Unis. État d'urgence, toutes les escadres aéroportées prendre position sur Hokkaido. Sibérie, Union soviétique. Tous les missiles disponibles doivent être pointés sur Hokkaido et qu'on fasse venir les renforts nécessaires depuis nos bases de soutien à Moscou. Base de missiles en Union soviétique. Les forces militaires des grandes puissances font mouvement sur Hokkaido. C'est la mobilisation générale, on dirait. Oui, monsieur. Je vais me rendre sur place. Hokkaido, Japon.
Regardez, professeur. Professeur Kamin, veuillez vous approcher. J'avais effectivement ouï dire qu'un monstre tirait les ficelles de la politique japonaise. Allons, professeur, surveillez votre langage, voyons. Vous avez raison, je suis un monstre. Je peux révoquer le premier ministre d'un claquement de doigts. Alors, en quoi un malheureux archéologue peut-il intéresser un homme de votre importance? J'ai toujours gardé un œil sur vous depuis que la CIA vous a recruté pour l'opération Moïse. Vous avez fait un excellent travail et vous êtes exactement le genre d'homme qu'il me faut. Mm-hmm. Passez dans notre camp, vous n'aurez pas à le regretter. Vous aurez le soutien sans réserve du gouvernement japonais. Je refuse. Seul, vous ne pourrez rien faire. Mais je ne suis pas seul. J'ai des amis avec moi. Et notre but est très différent du vôtre. Vos amis sont des enfants. Nous n'avons rien à voir avec les ambitions des superpuissances. Il n'a rien compris, George. Charlie, emparez-vous d'eux immédiatement. Tu as entendu ce qu'a dit le maître? Précisément. Mais tu as perdu la tête! Non, justement, je suis parfaitement lucide. Mais cette fois, je suis en désaccord total et définitif avec vous. C'est pourquoi... George! En remerciement des faveurs que j'ai reçues de vous, je vous offre ce souvenir de moi. On ne devrait plus être très loin des ruines maintenant. Maintenant, Seigneur, où en sommes-nous? Nous avons réuni, je crois, les pièces du rébut que vous avez conçu. Que vous faut-il de plus? Vous n'avez pas confiance en nous, alors c'est ça? Maintenant, à nous deux, amis. Je t'attends, digne rejeton de Rasputin. Pas étonnant que Dieu n'ait pas confiance. Vous savez pourquoi Dieu a dispersé les pièces de son message? Pour qu'un élu pur et sans tâche les réunisse, pour le bien de l'humanité.
un miracle. Moi, Grégory, je suis témoin d'un miracle. C'est peut-être la clé du mystère. Je vais voir sur place. La clé du mystère est sûrement derrière cette porte. Laissez-moi faire. Écartez-vous! Arrêtez! C'est moi qui dirige les opérations! Oh, les symboles mythologiques! Voyons ça. Il n'est pas facile de comprendre ce qui est écrit là-dessus. Vous vous prenez pour Champollion? Silence! Celui qui veut connaître le sens des signes ici apposés peut entrer dans ce bateau au sacrifice de sa vie. Et ça veut dire quoi? Que le message sera délivré si une prêtresse consent à offrir sa vie à Dieu. Je me demande bien pourquoi. C'est à moi d'y aller. Je suis le plus apte à le déchiffrer. Professeur! Mais vous allez me faire une promesse, vous deux. Celle de ne pas travestir la vérité à votre profit personnel, ni à l'utiliser contre l'humanité. Je vous ai compris, je respecterai scrupuleusement la vérité. Moi aussi. Alors, nous sommes tous d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix. Oh ! Par la volonté d'Imiko, ouvre-toi ! Oh! Mini! 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 Mina, Isao, descendez vite! Moi qui commande ici. Ah.
tire dessus. Dernière chance pour l'humanité. Grégory! Tenez grâce à lui, le message de Dieu. Vous êtes tous devenus fous là-haut! C'est un suicide! Bande d'imbéciles et de salopards! Vous allez me payer tout ça! Le plus fort. Grégory. Vos motifs étaient purs et les raisons qui vous animaient procédaient uniquement de spéculations intellectuelles pour le bien de l'humanité. Tandis que j'étais enfermé dans une idéologie nationaliste à courte vue, vous aviez toutes vos chances. Mais souvenez-vous, je suis aussi bon archéologue que vous. Mais je n'en ai jamais douté. Je ne peux pas abandonner Milly. Je sais que je n'ai pas la chance d'avoir son sourire troublant. Il n'empêche que vous êtes très belle. Camille. Allez, file. Voilà. Non, professeur. Milly. Milly. Thank you.
ma mère Terre, donne-moi la force. Kai, c'est toi. Nous avons fini par gagner. Pourquoi? Jamais tu n'as réussi à déceler la véritable identité de Milly. Sache pour ta couverte que c'est elle la grande prêtresse de la tribu des Ying. Je ne peux pas croire qu'elle soit l'une de vos créatures, non? Tu ne comprends toujours pas. Depuis plus d'un millénaire, Himiko a conservé l'apparence de l'éternelle jeunesse par une reconstitution permanente de ses cellules dont il a le secret. Je n'accepte pas la main tendue. Je devrais retourner à jamais à l'éternelle solitude. D'après nos calculs, Nemesis rejoindra la Terre en 1999 et notre tribu se développera sans difficulté dans son atmosphère empoisonnée. Ainsi, les Ying, après une longue attente, deviendront les héritiers définitifs de cette planète. Alors la Terre ne sera habitée que par des monstres. Silence ! Ton peuple est condamné. Pas encore, le message de notre dieu nous sauvera. Il est trop tard maintenant. Himiko a pour mission de faire disparaître le message à jamais par le sacrifice de sa vie. Moi, j'ai confiance en Milly. Vous ne comprenez pas que vous réduisez nos espoirs à néant!
Ce bâtiment est le bien le plus précieux de l'humanité. Il contient le message secret de Dieu. Et c'est la dernière chance qui nous est donnée de le connaître. Millie, je n'ai pas réussi à te sauver. Oh. C'est étrange. Je sens une présence en moi, une présence douce et chaude, chaude. Les noyaux de la Terre recèlent suffisamment d'énergie pour repousser la planète du diable. C'est Dieu qui a permis aux hommes de posséder l'énergie nucléaire. Oui, mais pas dans le but de se détruire les uns les autres. Tous les peuples de la Terre devraient vivre en paix. Et travailler ensemble pour le bien commun. Vous devriez être en mesure d'arrêter la destruction de votre planète. Les voilà. Décidément, les hommes ne comprendront jamais rien. Une fois de plus, ils seront les agents de leur propre perte. La sagesse n'est pas de ce monde. Professeur! Professeur! Dieu est mort, mais il nous a laissé le Verbe. Camille, répondez-moi! Où êtes-vous? Ne me laissez pas seule! Millie, je te cherche. Viens à moi. Je sens ton âme, tout ton être se fondre dans le mien. Millie, nous sommes réunis, corps et âme, pour le même destin. Oh, professeur, je suis heureuse, tellement heureuse maintenant. Je ne serai plus jamais seule. Toi et moi ne sommes plus qu'un, confondus dans l'espace et le temps.
Amin, vous avez découvert le message de Dieu? Oui. Professeur, vous allez devoir me le confier. Vous avez le droit de me tuer, mais alors vous allez priver l'humanité de la seule chance qui lui reste d'être sauvée. Expliquez-le-moi alors. C'est prématuré. Ni vous, ni personne ne seriez capable de le comprendre. Oh, c'est quelqu'un. Attendez-moi un instant, les enfants. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu n'ont jamais eu la vie facile. Moïse, Mohamed, Jésus, c'est un lourd fardeau qui pèse sur vos épaules, professeur. Mesdames, messieurs, le mystère des explosions qui se sont produites sur les montagnes voisines de Kaido est levé. De sources sûres, on nous informe qu'elle serait due à un accident intervenu au cours d'un vol d'entraînement de nos forces aériennes de défense.